Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre la Renault Kwid, cette citadine vendue en Inde à partir de 3500 euros. C'est un modèle qui devrait investir le marché français en 2018. Mais qu'est-ce qui en restera pour le marché français? Eh bien, mon cher Didier, ce qui va en rester, ils vont rester sur la base de la Kwid. Par contre, ils vont être obligés pour le marché européen de mettre des équipements de sécurité, donc l'ABS, l'airbag, l'ESP. Ils vont forcément aussi renforcer la dotation de base de la voiture, parce que là, on n'a pas de direction assistée. Chez nous, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ensuite, on aura d'autres équipements de confort avec une gamme qui sera sûrement décalée vers le haut. Et la dernière chose, ils vont surtout renforcer la voiture au niveau des crash tests, parce qu'aujourd'hui, 0 étoile, c'est inadmissible chez nous. Ils vont certainement renforcer les longerons pour avoir une meilleure déformation de la voiture et quelque chose d'un petit peu plus sûr, avec en plus les équipements de sécurité indispensables pour le marché français. Et puis surtout, quand elle va arriver en 2018 en France, la Renault Kwid deviendra la Dacia Kwid. Ça sera la petite sœur de la Sandero. Et puis surtout, il ne faudra pas qu'il y ait de confusion possible avec la Renault Twingo, qui elle sera la véritable citadine de la gamme Renault. La Dacia Kwid, ce sera elle la citadine de la gamme Dacia. Il faudra attendre probablement un tarif autour de 6 500 à 7 000 euros. On ne voit pas comment Dacia pourra aller plus bas, d'autant que le véhicule sera produit dans l'usine marocaine de Tanger. Mais ça, on risque d'en reparler sur l'Argus.fr courant 2018. À bientôt.